Hello, everyone, and welcome. My name is Adele Halliday, and I serve as the Je Anti-Racism and m'appelle Adele Equity Lead at the Halliday National Office et of je the suis United Church of Canada. responsable de la lutte As part contre le of my role, I racisme coordinate the anti-palestinien 40 au days of bureau engagement on anti-racism, and it's good du you are Conseil here. général. Je Today's coordonne dans webinar mon is a rôle ces bilingual 40 one jours contre le with English racisme. and French Aujourd'hui, nous avons un interpretation. abonnement bilingue So, just avec wanted to offer an l'interprétation invitation, en anglais et en reminder of français. how you may choose your Je preferred d'abord language. So, on the Pour bottom of your choisir la screen, you'll langue de see votre préférence, vous allez a voir au graphic bas de that votre looks like écran this, and then un please graphique qui select ressemble that à and ceci. choose your preferred Cliquez language. là-dessus et choisissez la langue que vous préférez. So, this webinar today is part one Le part of a webinaire broader series d'aujourd'hui with the 40 fait days of partie engagement d'une on série, anti-racism, and it's one c'est way that 40 we in the jours United Church are trying d'engagement to live contre le into our racisme. C'est une continued façon pour journey nous, à l'Église towards unie, becoming an de anti-racist vivre notre church. voyage This is one vers part of a une series of église webinars with dynamic antiraciste. Ça speakers, fait and each partie one is meant to be a d'une série de time of webinaires learning, avec des reflection, and action. intervenants dynamiques The pour purpose of this promouvoir webinar today is to l'apprentissage et la focus réflexion. on Aujourd'hui, anti-Palestinian nous racism allons and nous fighting concentrer anti-Palestinian sur racism in le Canada. racisme So, with the anti-palestinien panel, et le we will combat be contre ce exploring racisme au Canada. what is Avec l'aide d'un panel, anti-Palestinian nous allons racism and how does voir it ce que c'est manifest in the que Canadian le racisme context. anti-palestinien et What are some of the comment se impacts of manifeste-t-il dans le anti-Palestinian contexte canadien? racism on Quels sont individuals certains and des on the broader impacts community? du racisme And how anti-palestinien might we respond pour as certaines personnes individuals et pour and la churches? communauté? Et comment répondons-nous en So, tant before we move to the panel, qu'individus just wanted to et highlight some additional English language membres d'église? resources that are available. Avant de passer au panel, quelques One is that this ressources qui week existent there en are anglais. a few written Cette semaine, reflections that il talk y a about des different réflexions aspects of écrites qui anti-Palestinian portent racism. sur différents aspects du racisme There's also a book anti-palestinien. that we are Il y a suggesting that is aussi un livre que recommended, nous The Wall suggérons, Between What Jews and que nous Palestinians Do Not Want to recommandons. Know About One Another. And this book is Le available on the mur, United Church bookstore, ce que les Palestiniens ucrbstore.ca. et non-palestiniens And there's a discount ne code if people savent are pas interested in ordering two or more à books. propos des autres. Vous avez un escompte si vous commandez So that book is deux available exemplaires ou if that plus. is of interest to you. Alors, ce In livre addition to the books, there est are some disponible. Ah, c'est additional les Juifs resources et les available. Palestiniens qui ne veulent pas One, there's an savoir English les language uns à propos newsletter des that autres. comes out Il y once a a week. aussi un If you're bulletin interested in signing up, en that can anglais give qui you sort une updates fois par about lots of semaine. things related Si vous voulez to vous the 40 inscrire, days, vous as allez well avoir des as more informations broadly about sur les anti-racism. 40 jours et plus largement sur And next, la lutte we also have antiraciste. just a little bit to share in terms Ensuite, of this nous evening's avons conversation. des choses à partager à propos de la The chat for conversation de this ce webinar is soir. closed for today, but Le it may chat be that you pour have some ce questions that you would webinaire like est to share fermé to our pour ce panelists. soir, mais vous avez If peut-être you des do have some questions questions, à we'd invite poser you à to nos please email panélistes. Si tel est le cas, envoyez-les anti-racism@united-church.ca, par courriel à and we will gather those questions and offer them back to the panel near the end of our antiracisme@united-church.ca time together. et nous allons pouvoir les recueillir So, et les with transmettre that, aux we panélistes will vers la move fin now de right into our la panel soirée. discussion. It's going to be Sans plus tarder, facilitated nous allons by Patty passer Talbot, au la who is discussion en now panel, retired, but who is animée the par former Terry team lead Parbutt, for maintenant à Global la retraite, Partnerships qui and the est Church and Mission un Unit. So, ancien welcome, Patty, who will move us through our responsable panel des discussion. partenariats Thank you very much, Adele. And bureau du let me add Conseil my welcome général. to that of Adele, to Merci everyone who beaucoup, is joining Adèle. us tonight, or Et who may be je watching souhaite, comme elle, la this bienvenue à event toutes les personnes qui later on. assistent à cet We are aware événement that there is en another event différé, happening today parce south que of the nous sommes border, conscients de and we warmly l'existence d'un welcome autre those who événement are able au to sud de la join us frontière live, et nous and know souhaitons la that bienvenue aux many gens qui others sont will là be looking en at this direct. event Mais nous savons que recorded after d'autres the fact. I join you seront tonight from nombreux à le Toronto, regarder which après is the coup traditional par voie territory of many First Nations, including the Mississaugas of the Credit, d'enregistrement. the Anishinaabe, Alors, the je Chippewa, vous accueille depuis the Toronto Haudenosaunee, and the Wendat peoples. Even as I say this, I am même mindful that alors these que je nations dis continue ceci, to experience colonization and displacement, je and sais that que ces land they Premières dwelled Nations, once les are often Mississaugas du in Crédit, face les of land Anishinaabe, les itself. Chippewa, les Anunnaki et les Wendat, It is an honor to moderate this panel, and with the ongoing war Oh, il in faut garder Gaza à and the l'esprit qu'il horrific continue à anguish continuing vivre la there, consolidation. the Bon, urgency nous in addressing, savons ce qui se naming, passe and resisting au Moyen-Orient. anti-Palestinian Il est racism is absolument clear. essentiel qu'on résiste It is a au privilege racisme to introduce anti-palestinien. briefly our three C'est un panelists, privilège de and we are présenter very brièvement grateful nos to trois have them panélistes joining et nous us sommes tonight. très First, reconnaissants Dania qu'ils soient Majid. là avec nous.
D'abord, il y a Majid, qui est fondatrice et Arab présidente Canadian de l'Association canadienne des avocats musulmans et l'auteur 2022 principal du report rapport de 2022 Anti-Palestinian Racism, intitulé Naming, Racisme Framing, and anti-palestinien, Manifestations. nommé, An advocate and leader caractérisé in the Palestinian et and Arab community in Canada, she is also a connaître housing rights ces lawyer manifestations. Elle and est militante et elle co-founder and artistic figure de proue de la director communauté of the Toronto palestinienne et arabe Palestinian Film au Festival. Canada et Welcome, avocate Dania. spécialisée dans le Thank droit. you. Elle Tarek est Al-Zoubi is a cofondatrice Christian Palestinian and du American festival advocate de cinéma based in palestinien. Bethlehem. He is the Tarek project and youth Al-Goubi coordinator at est MIAM, militant the chrétien Palestinian palestinien et Conflict américain qui a grandi Transformation dans la Center petite in ville de Bethlehem. Bethléem. Et Tarek il est is currently a cofondateur visiting du scholar here WIAM, in Toronto le at centre the de University of transformation du conflit Toronto's Emmanuel palestinien. Il est College. actuellement chercheur His invité research au Collège interests Emmanuel de relate to l'Université de issues of Toronto justice et ses and recherches conflict portent sur les questions de transformation, justice et specifically de economic transformation justice, des conflits, restorative en justice, particulier la reparations, justice and économique, la reconciliation. justice réparatrice, A warm les welcome to mesures you, de Tarek. réparation et Thank you. la réconciliation. Nous vous Robert souhaitons Massoud is a chaleureusement le bienvenu. Palestinian-Canadian and founder of Zatoun, a unique Tariq. Le project Robert offering Massoud fair trade est olive un oil from Canadien d'origine Palestine palestinien that is qui intended a to fondé serve as un a organisme bridge of hope and pour peace, connecting l'huile d'olive Canadians to the history, équitable culture, Zatoum and de Palestine challenges of the afin de servir de Palestinian point people d'espoir and et the de paix land of Palestine. entre les Robert Canadiens is et la well known in Palestine. Il est Toronto for the meeting bien place connu that à was opened in Toronto 2010, pour le lieu de known as rencontre Bet ouvert Zitoun. en It 2010, became a coming together connu sous place, le a nom de cultural center Bet for Zatoun, communities struggling for devenu un justice lieu de locally rencontre et and un centre globally. culturel pour les communautés qui luttent pour la Robert, a justice, warm welcome to you. tant localement que Thank you. Happy to meet mondialement. you. Robert, So let me say just briefly the bienvenue. format that we have for this Alors, je vais evening. décrire rapidement le We format have pour ce until soir. 8:30, Nous avons and we're going jusqu'à to begin 8h30. with each of Nous the allons panelists commencer opening with avec some opening des remarks, and that will be remarques for about préliminaires de la 25 part or de chacun 30 des minutes. panélistes, The cela second pendant 25 ou portion 30 will be minutes. some moderated questions, Ensuite, il y and we aura des hope to have some questions discussion posées among par the le panelists, modérateur and then we'll et move on into espère a qu'il y aura time des of, échanges and entre les we look panélistes. forward to receiving these questions Et from those who are participating nous in souhaitons recevoir des this questions de webinar. la part des And we hope to have participants 10 to à ce 15 webinaire. minutes for that De 10 à opportunity as 15 well. minutes pour And then we will wrap up ce volet-là. with the webinar Et closing ensuite, at nous allons 8:30. So we clore have vers about an hour and a 8h30. half or a little bit less Nous avons to go. donc So environ with une heure et demie, that, un peu moins, let's begin with the first portion à passer of ensemble. our evening. Ceci étant dit, And I'm going to invite Dania to je vais start inviter the Dania 2022 à ACLA, the association nous parler. Le rapport de report offers a 2022 description de of the l'ACLA, de son anti-Palestinian association, propose une racism description du framework. cadre Can you du start us racisme off with anti-palestinien. outlining Est-ce que vous what that pourriez framework names expliquer and the ce qui impact est that the nommé par framing ce has cadre had et l'impact since the report was que published? ce Thank rapport you. a eu, Thank cette you for optique the a eu depuis invitation la to publication du speak with you rapport. this evening and to Merci, talk to you about anti-Palestinian pour racism. l'invitation de vous The parler critical de ce starting soir point for any du discussion racisme on anti-palestinien. anti-Palestinian Le point de racism départ is the ongoing essentiel Nakba est of le 76 Nakba years, qui se poursuit 57 years of depuis 76 occupation, 17, années, 17 years of 50, the plus de siege on 50 ans Gaza, d'occupation, crimes of 17 ans apartheid, depuis and le a live siège de stream Gaza Puzzle genocide et in Gaza l'apartheid that's et been un going on for génocide tout over à a fait year, précis Gaza that qui has se been poursuit repeatedly depuis plus described by d'un an. UN officials as apocalyptic, as Palestinians are Décrite de being façon exterminated répétée through par des bombardment, starvation, responsables and venus comme disease. Anti-Palestinian apocalyptiques. racism is Le primarily racisme employed to anti-palestinien uphold est Israel's settler principalement colonialism of utilisé pour Palestinian maintenir land le and accompanying colonialisme oppression de against Palestinians, colonisateurs and to provide cover for d'Israël its et d'oppression contre unprecedented les Palestiniens atrocities et by pour couvrir dehumanizing ces Palestinians atrocités sans and précédent creating the en chilling déshumanisant les effect and Palestiniens quashing et any en créant support un for effet Palestinians or d'effroi criticisms of et Israel, en Israeli state violations of rendant international law impossible norms. les For expressions de the soutien et and de everything I'm going solidarité. to talk about with
Tout ce que je vais dire à propos du racisme anti-palestinien ce soir vient de notre rapport cadre disponible sur notre site web, canarablaw.org. Je vais commencer par la description que nous avons proposée. C'est ce que vous allez trouver au début du rapport. Le racisme anti-palestinien est une forme de racisme anti-arabe qui fait taire et efface les stéréotypes et diffame ou fait taire les Arabes et Palestiniens. Qui ne reconnaît pas les Palestiniens comme un peuple avec une identité collective, avec des droits d'occupation de la Palestine historique, l'exclusion ou la pression exercée sur les autres pour exclure les points de vue palestiniens, la diffamation des Palestiniens et leurs alliés comme menace terroriste ou quelqu'un d'opposé aux valeurs démocratiques. Ce cadre, cette description est arrivé ou a été conçu après une longue consultation aussi bien auprès de Palestiniens d'alliés, de militants, de chercheurs et d'avocats situés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Palestine, parce que nous savions que ce travail devait puiser dans l'expérience de la communauté et il était très important, même avant de commencer le travail, nous avions le sentiment que c'est quelque chose qui était recherché par la communauté et nos alliés. Bon, pour nous, le racisme anti-palestinien, il était important qu'on l'identifie comme une forme distincte de racisme, surtout parce qu'il y a de nombreuses formes qu'elle prend et il est dirigé contre les Palestiniens et les non-Palestiniens qui soutiennent les droits des Palestiniens et critiquent les positions d'Israël. Nous avons entrepris ce travail parce que nous avons vu le racisme anti-palestinien à l'œuvre, à tous les niveaux, art, gouvernement, secteur privé et ailleurs. Beaucoup de notre travail est centré sur les formes institutionnelles et systémiques du racisme anti-palestinien par rapport à ce qu'on peut voir sur les médias sociaux et le harcèlement et tout ça. On voulait se centrer sur l'aspect institutionnel parce que c'est ça qui a l'impact le plus nuisible sur les Palestiniens. Ce racisme a créé un effet assez effroyable pour les Palestiniens et la communauté d'alliés. Et nous avons travaillé dans tous les espaces collectifs pour surmonter, contrer cet effet et empêcher que nos communautés sont obligées de se taire. Mon association, mon travail à l'Association canadienne des avocats musulmans et dans d'autres cadres m'appris que les Canadiens avaient du mal à caractériser, à comprendre le racisme anti-palestinien mais que les gens le ressentaient avec honte s'ils avaient envie de s'exprimer sur les questions. Sans toutefois comprendre pourquoi. Ils l'internalisaient et sentaient qu'ils étaient faibles. Il était important pour nous de nommer ce racisme et de parler de ce fardeau et de ce traumatisme que les gens portaient. Mais l'étincelle qui nous a fait aller de l'avant était le scandale à la faculté de droit de l'Université de Toronto, où il y a eu un scandale de désembauche, de congédiement d'une chercheuse et un juge qui est également d'honneur à la faculté et à un groupe pro-Israël est intervenu dans le processus d'embauche et elle a été ainsi désembauchée. Cette ressource a permis de faire comprendre aux personnes intéressées sur tous les méfaits de
de cette situation. Alors, c'est important de voir comment les groupes s'entraident eux-mêmes. Cette forme d'antiracisme. Enfin, ça, c'est un élément pour lequel on a essayé de mettre ce rapport pour parler des préjudices. Mais alors, c'est aussi important de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ça ciblé. Si on nous attaquait, on pourrait aller au droit international, même si on n'était pas des avocats. Et c'était important pour nous de parler de les scandales. Pourquoi est-ce qu'on nous ciblait si on était en faveur des Palestiniens et aussi des préjudices qui ont été faits sur la communauté palestinienne? Et la compréhension de des enjeux alors a permis de voir ce que notre communauté, notre collectivité était en train de vivre pour pouvoir, et d'une part, le nommer et ensuite agir là-dessus. Un autre point qu'on souhaitait soulever, c'est qu'il y a énormément d'intersections concernant l'antiracisme palestinien, des formes de haine, même chose qui arrive avec l'islamophobie, la phobie contre les Noirs, la discrimination, tout le racisme. Alors, tout ce qui arrive à partir du moment où les gens manifestent leur intérêt sur la Palestine. Et il fallait absolument qu'on arrive à parler de quelque chose qui est tout à fait différent de l'islamophobie. Parce que cette forme d'antiracisme est différent. Alors, là, quand on parle de l'antiracisme palestinien, on parle du génocide, on parle de l'apartheid, on parle de tout ce qui a subi le peuple palestinien. Alors, si on enlève le côté anti-musulman, on peut parler de toutes sortes de Palestiniens, que ce soit des Juifs, des Palestiniens chrétiens, des musulmans. Donc, il fallait quand même faire part de la diversité palestinienne. Et au moment du fait que l'on pouvait nommer, on pouvait parler quelles étaient les racines de ce mouvement d'antiracisme palestinien. Et la façon dont ça persistait, un dernier point, ça suggère que la violence en Palestine et en Israël est de source religieuse. Alors, ce n'est pas ça du tout, c'est la racine, c'est la question de la colonisation d'Israël en Palestine. Et c'est ça qu'il faut soulever, c'est la question du colonialisme. Alors, je serais très contente de pouvoir répondre à des questions ou bien de pouvoir aborder davantage la question. Alors, maintenant, merci beaucoup, Tania. Maintenant, on va s'adresser à Tarek. Vous habitez à Bethléem, en Palestine. Parle-nous du contexte de la Cisjordanie occupée et de votre expérience du racisme anti-palestinien. Comment le racisme anti-palestinien se recoupe-t-il avec d'autres formes de discrimination? Et vous pouvez peut-être nous dire qu'est-ce que la signifie, quels sont les... Comment est-ce qu'il y a une intersection dans ces contextes? Tout d'abord, c'est un plaisir de faire partie de ce panel et d'aborder ce sujet. Oui, effectivement, j'ai grandi à Bethléem et quiconque a visité et qui a pu constater ce qui est l'antiracisme palestinien. Nous pouvons
partir du plein micro, par exemple la vie quotidienne, le droit de bouger. Pour les Palestiniens, il y a un système d'apartheid qui est infligé par les Israéliens, par exemple. On limite vos mouvements, par exemple. On impose des Palestiniens, si vous habitez dans le West Bank, vous ne pouvez pas entrer dans certains territoires, vous ne pouvez pas entrer dans à Gaza non plus. Et si vous souhaitez le faire, vous devez demander une permission. Où vous devez absolument vous en tenir à ces interdictions. Par exemple, lorsque nous parlons des militaires israéliens, ils ont tout le droit d'être dans tous les territoires et ils peuvent passer au travers des frontières qu'eux, ils sont déterminés. Alors, ça c'est localement. Maintenant, du point de vue international, pour que les personnes puissent quitter dépendamment de la banque occidentale, il y a des personnes qui n'ont pas le droit d'avoir une citoyenneté, que ce soit israélienne ou palestinienne. Tout simplement. Pour nous, si on souhaite voyager à l'extérieur du pays, enfin, à l'extérieur, il faut voyager à 60 km de Bethléem, aller à un aéroport pour prendre un vol. Et il y a des frontières qui commencent à Jéricho et il y a aussi beaucoup de frontières qui sont gérées par les Israéliens et que cela s'agisse d'aller en Jordanie ou ailleurs. Et cela est très important pour toutes les personnes. Si vous êtes israélien, vous pouvez aller à tous les aéroports que vous souhaitez. Et si vous êtes quelqu'un avec un statut international, vous pouvez aller n'importe où, à moins que ce soit contrôlé par le gouvernement israélien. Ensuite, on va voir parler du droit de visiter la Palestine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir du monde international, d'ailleurs, venir en Palestine? Il faut démontrer qu'on n'a pas de lien avec des Palestiniens. Il faut montrer qu'on est un Palestinien de la diaspora ou si vous êtes quelqu'un qui avez un nom arabe ou vous devez signifier que vous souhaitez venir y habiter et recevoir la citoyenneté pour en le faire. Alors, tout le reste, du reste, c'est le contraire pour les Palestiniens. Les Palestiniens ne peuvent pas venir à leur ancien pays. Ils ne peuvent pas venir visiter ni leur famille, ni leur territoire, parce qu'on les considère des associés proches des Palestiniens. Alors, que ce soit des personnes qu'ils soient arabes ou musulmans ou palestiniens, ils sont mal jugés. Maintenant, on va voir l'aspect, les facteurs économiques. Avant de continuer, même si j'habite dans le West Bank, en Cisjordanie, il faut voir. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant la sécurité? La sécurité est contrôlée par la milice israélienne. C'est eux qui établissent les territoires et leur autorité va contrôler les Palestiniens. En termes économiques,
On voit qu'on a les mêmes coûts de vie, les coûts d'acquisition des biens, mais on a deux systèmes économiques, un qui est pour favoriser les Israéliens et défavoriser les Palestiniens. Et là-dessus, il y a un système de donner la permission aux Palestiniens pour aller dans d'autres territoires pour gagner un meilleur salaire, mais même s'ils réussissent, ils vont gagner moins que les Israéliens qui vont travailler à la même place dans ces territoires. Aussi, il y a le droit de l'unification familiale. Pour n'importe quel Israélien, ça peut marcher si les gens souhaitent se marier ou faire venir une personne, rejoindre la famille, ça va marcher, ça va prendre une année pour les Israéliens, mais pas pour les Palestiniens. On va soit nier ces possibilités. Peut-être, nous avons des cas, il y a des gens qui ont été mariés pendant 4 ou 5 ans à des Palestiniens et on les nie systématiquement la possibilité de se réunir à leur famille et même on leur nie le droit d'avoir des visas de tourisme. Et les Israéliens ont ciblé ce genre de situation et ce n'est pas seulement pour les personnes récemment mariées, mais pour des gens qui ont été mariés depuis très longtemps. Il y a aussi des actions. Toutes ces pratiques racistes ont été établies déjà au temps de la colonisation et sont exprimées dans la négation des droits, la négation des droits de la personne. Et c'est déshumanisant, nous voyons que le génocide continue, ce génocide qui peut être vu comme l'expression extrême de l'idéologie antiraciste. Nous voyons aussi le monde occidental, surtout les administrations des pays. Alors, ils accordent à Israël le droit de se défendre contre les Palestiniens, mais et ils ne parlent jamais du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Lorsque nous parlons des Palestiniens de façon locale, on va parler de l'administration israélienne ou l'État israélien, et c'est l'administration de Judée et Samaria, parce que on ne peut pas avoir une administration palestinienne sous l'égide de l'apartheid. Il y a des Palestiniens qui ont réussi à avoir, par exemple, lorsqu'il y a des personnes qui peuvent avoir une citoyenneté ailleurs, ils sont nommés des Arabes israéliens. Et donc, on nie l'identité palestinienne. Il y a aussi, lorsqu'il y a des groupes qui vont manifester, on voit que leur voix est très élevée parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il n'y a pas de sécurité et aussi parce que ces personnes sont absentes et même absentes de la couverture des médias de communication. Alors, on peut voir qu'il y a deux façons de mesures pour les Israéliens et les Palestiniens. Merci, Tarek. Si vous voulez parler, Robert, nous allons y revenir dans notre discussion. Robert,
Votre as a contexte, c'est Palestinian le Canadien, Canada en tant que what did Canadien the d'origine palestinienne. 2022 ACLA, the Arab Canadian Lawyers Qu'est-ce que Association report, le what did that rapport mean de for you? What 2022 did de that l'ACLA name a for you? signifié pour vous? Qu'est-ce que And cela a connected, nommé what has pour been vous? your experience of Quelle a anti-Palestinian été racism votre here in Canada? expérience du racisme Well, thank anti-palestinien you. ici I'm au very Canada? happy to be here on Eh this, bien, merci, je speaking on suis très this content topic d'être là because it is very et important. pour And the parler de report ce in sujet qui est 2022 très important. was Le really a rapport de landmark. 2022 And it was a a été landmark un not point because, tournant, pas seulement anti-Palestinian parce que racism didn't exist. It existed, le I racisme would say, anti-palestinien from the very n'existait beginning of pas. the Zionist project. It Il was a a landmark because existé depuis le many début things du came projet together around sioniste, that time, mais un point tournant parce que including beaucoup de choses ont convergé à ce the moment-là, y consciousness compris of settler colonialism like la never conscience before. du We colonialisme started du seeing peuplement, Palestine comme in jamais that light. auparavant. On a Racism commencé à voir le became Palestine sous cette an angle-là. objective Le racisme discussion. est And I would also say commencé à that faire for the partie last d'une four or five discussion years, au there was a sens objectif. Et development depuis 4 of ou a 5 ans, native il y a Palestinian eu le Canadian développement voice that hadn't d'une existed voix previously. So palestino-canadienne really what we d'ici saw qui was a new n'avait pas generation of existé auparavant. Palestinians Une born in nouvelle Canada, génération de educated in Palestiniens nés Canada, au Canada, now éduqués au employed and Canada, finding their voice. So des it has gens been a very qui exciting time from that trouvaient enfin perspective leur voix. of Et ça a été Palestinians in un moment Canada fascinant beginning to de ce point de stand vue-là. up for Des Palestiniens themselves au Canada ont commencé more than ever à before. se Whereas in the lever past, whether you go et back à to se the 80s or défendre 90s plus or que jamais whatever, auparavant. Alors que par we le passé, really dans les années relied 80 ou les années on 90, nous justice avons conscious compté Canadians, sur particularly in des the Canadiens churches, to really avec une advocate conscience for the Palestinians. une volonté de justice I surtout guess les you could églises say at that pour time, militer en faveur des Palestiniens. anti-Palestinian Je pense qu'on racism peut was dire que le really in racisme force. It has never really stopped. anti-palestinien a But we were, existé as et Palestinians, n'a jamais very cessé. much Mais nous, under en the tant que thumb of it and Palestiniens, very much nous silenced and étions sous disappeared. son joug And we are et making our comeback. il nous a fait So that, to taire. me, was Nous sommes de the retour landmark aspect et c'est of en ce the sens-là ACLA que study le and rapport de report. l'ACLA ou l'étude et Now, le rapport at the de same l'ACLA time, I a have to constitué un point say tournant. very clearly En même temps, that je dois dire très anti-Palestinian clairement racism que le is racisme not anti-palestinien racism in the classic n'est sense. pas It's du not racisme about au sens classique. racial Il bigotry, ne it's not s'agit about pas prejudice, de it's really about préjugés, silencing and disappearing a people mais through de tentative de faire a taire form et de faire of disparaître un peuple basically political character assassination. So I lived personally in this country. I came as a des young boy propos with my family in the 60s. I assassins. can't say that I've ever Bon, je suis arrivé dans les experienced années 60 avec ma Palestinian famille. racism as Je n'ai such. pas dire que But what I j'ai can clearly vécu un say racisme is that I anti-palestinien have en tant que tel, mais je peux incredibly dire clairement felt the que weight of the j'ai silencing, the senti weight le of a poids disappearing, du the weight silence, of de just la not really disparition, existing or de la denying who I non-existence ou de la was, except in négation very few de qui safe j'étais, spaces. So I would sauf say to dans Tariq's quelques point, espaces très sûrs. Alors, anti-Palestinian pour racism truly reprendre ce que exists Tariq in a dit, Israel as le racism, racisme but in anti-palestinien Canada, existe it réellement only comme truly racisme en exists Israël. as Mais au Canada, political il character existe assassination. comme And this is cet assassinat because I caractériel believe that au there is a Canada. connection Et c'est between parce que je crois fighting qu'il y a un rapport antisemitism entre la lutte and contre anti-Palestinian l'antisémitisme racism. et So, le in racisme Canada, through anti-palestinien. the Zionist Alors, au lobby, the Israel Canada, lobby, le there is this lobby incredible pro-israélien, sense sioniste, of increased anti-semitism and the desire to fight bon, on anti-semitism, a le which, sentiment qu'il y a eu cette we don't disagree envolée with. Anti-semitism is de an evil and vile thing that should l'antisémitisme. Et not be nous ne allowed to sommes pas stand. en But in désaccord. Canada, the L'antisémitisme est Zionist quelque lobby has chose been able to d'abject link the à fight rejeter. against Mais le lobby anti-Semitism pro-israélien, with pro-israélien plutôt, anti-Palestinian a racism, réussi à faire le rapport i.e. entre needing to suppress antisémitisme the Palestinian et identity, the Palestinian presence, the l'identité Palestinian voice, palestinienne. not just of Palestinians, but also of their Et pas supporters. seulement celle So des really, Palestiniens, mais des gens qui les soutiennent. you could say that
On pourrait dire que le racisme anti-palestinien disparaîtrait s'il n'y avait pas d'antisémitisme. Alors, l'un dépend de l'autre. La lutte contre l'antisémitisme dépend de l'existence et du maintien du racisme anti-palestinien. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en tant que racisme, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a définitivement un racisme anti-arabe ou anti-musulman. Mais il n'y a pas un racisme anti-palestinien au sens où il peut y avoir un racisme anti jordanien, par exemple. Donc, je veux dire qu'il est important de faire une distinction. Il ne s'agit pas d'un racisme classique. Parce que si on veut combattre quelque chose, nous devons le comprendre et le nommer exactement tel qu'il est. Alors, je comprends l'idée du racisme et l'importance de parler du racisme parce que les gens comprennent le concept, mais nous devons comprendre le caractère unique de ce que nous avons fini par appeler le racisme anti-palestinien. Et la façon de le combattre revient finalement à le nommer pour ce que c'est. Et je suis très content que le rapport le fait très clairement. Des gens l'ont repris, y compris les Canadiens, un programme. Ils ont fait un travail extraordinaire, ce sont les Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient. Alors, continuons avec cette discussion et j'aimerais qu'on continue à revenir à la nature du racisme anti-palestinien et au fait qu'il faut peut-être le cibler autrement que ce qu'on ferait dans le cadre du racisme anti-noir ou anti-asiatique, des racismes de type plus classique basés sur les préjugés ethnico-religieux et raciaux. Robert, well, excellent, together, Robert. Merci. Bon, réunissons-nous dans un cercle virtuel, peut-être quatre créer un carré, mais je vais faire comme si il s'agissait d'un cercle. Et je voulais reprendre ce dernier commentaire, les derniers commentaires faits par Robert, parce que c'est très lié aux commentaires de Dania ou ce qu'il dit dans le rapport, que le racisme anti-palestinien est une forme particulière de racisme. Et je pense à la façon dont Robert, vous avez parlé d'assassinats caractériels. For example, the MPP in Ontario Jamal, silenced le député ontarien qu'on a fait taire, Yuping Gay, le médecin à Ottawa. Ce sont des alliés, pas des Palestiniens, qu'on a fait taire parce qu'ils ont élevé la voix en faveur des droits des Palestiniens ou contre la violence et l'occupation. Let's move into a bit more of a conversation, but I'm going to invite you to address this conversation first, and then I think we're doing well time-wise, and so we can open up to Tariq and Robert as well. Temps, et on peut ouvrir, la discussion let me put this to you. Tariq et when Robert racialized aussi. And indigenous si je vous disais ceci, people quand speak out about the les personnes racisées et vivant des préjugés parlent kind of de ce qu'ils éprouvent, de ce qu'ils vivent, il y a comme un effort systémique de faire semblant que ou même de démoniser ces gens et leurs témoignages. Diriez-vous que c'est vrai dans le cas du racisme anti-palestinien? Est-ce que vous pourriez indiquer certaines façons dont le racisme palestinien est considéré comme insignifiant, kind of lié. Et qu'est-ce qui sous-tend
ce genre de réaction dans le contexte canadien. Alors, d'abord, je tiens à dire bravo à mes co-panélistes pour vos remarques. J'aimerais souligner ce que Tarek a dit, sa façon de décrire l'apartheid et l'occupation. Parce que ce sont des structures qui sont racistes de par leur nature. Le racisme qui est vécu là-bas arrive au Canada. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la caractérisation de Robert, comme quoi il n'y a, pas de racisme anti-palestinien au Canada. Notre travail avec la communauté, les histoires qu'on nous raconte, illustre des formes de racisme. Les gens se font cibler en tant que Palestiniens et des alliés qui sont associés aux Palestiniens. Mais les réactions vécues par ces alliés, c'est à cause des Palestiniens. Un exemple, le racisme anti-palestinien n'a pas commencé avec tout ce qui se passe depuis octobre 2023. Mais il y a eu escalade et intensification, et c'est beaucoup plus ouvert qu'auparavant. Et c'est pour ça que, aussi que c'est mieux documenté. Et il y a eu une avalanche d'expériences de la part de gens qui ont vécu le racisme, surtout dans le secteur privé. Et ce type de racisme était très caché jusqu'à maintenant. Maintenant, son existence dans le secteur privé est devenue évidente. Et des gens qui ont été congédiés pour avoir soutenu des Palestiniens en signant une lettre ouverte, en demandant un cessez-le-feu sur les... Bon, on a eu des commentaires de la part des gens qui les congédiaient. Dans certains cas, ce sont des avocats qui parlent de Palestiniens comme des animaux. Bon, je sais à qui je parle et donc je ne dis pas exactement les mots qui ont été utilisés, mais c'est une haine qui est différente de la haine que pourrait vivre un Syrien ou un Libanais qui a... pour effet d'exterminer des Palestiniens. C'est la connexion qui est ressentie par les gens ici qui essaient de lutter contre l'extermination. Évidemment, on est à l'abri physiquement au Canada, ou plus à l'abri. Les impacts du racisme anti-palestinien a des conséquences pour le bien-être, pour le gagne-pain, et n'oublions pas aux États-Unis, parce que le racisme est anti-racisme galopant. Un enfant a été tué, deux enfants ont presque été noyés, quatre jeunes ont été blessés par balles, dont un est paralysé de la poitrine jusqu'à ses pieds. Bon, différentes agressions. C'est un niveau de haine qui témoigne d'une haine très profonde. Il ne s'agit pas simplement d'un discours et d'une volonté de faire taire des gens. C'est une forme très enracinée de haine contestée par les Palestiniens. Évidemment, ça se manifeste autrement au Canada ou aux États-Unis. En Europe qu'en Palestine. Mais c'en est une extension. C'est mon point de vue sur la raison pour laquelle c'est une forme de racisme anti-palestinien. Et je parle de l'expérience et de l'expérience de mes collègues. J'ai vécu le racisme directement, pas seulement à cause de mes positions politiques, mais en demandant un emploi, et je me fais demander si je suis favorable à la destruction d'Israël lors de mon entrevue. Les commentaires visant à m'attaquer sont des commentaires racistes. Je ne donnerai pas d'exemple, mais c'est typique. On me dit que je suis anti-Israël, que je suis quelqu'un qui soutient les terroristes parce que j'ai signé une lettre ouverte
law students who were en being faveur attacked. de And those l'étudiant very en students were droit qui se exonerated by faisait the attaquer, investigation, étudiant exonéré you know, par into those l'enquête letters, but the attacks have not qui a stopped. suivi. Mais les attaques n'ont pas cessé. Lawyers are still being Les fired for avocats supporting continuent à être them, congédiés pour and les the avoir smearing soutenus. campaign Et continues cette again, campagne you know, de to discredit salissage se us, poursuit to silence pour us. nous discréditer et nous faire taire. So I probably have not Alors, answered your donc je question. n'ai Peut-être probablement pas pas répondu répondu, à votre but question, the parce que j'ai manifestation bifurqué un peu, is, mais again, just to la point out, manifestation, it's encore une not fois, just pour le personal. souligner, ce It n'est is pas very que much coming personnel. at an institutional level, C'est starting with our situé government. au niveau And it is institutionnel et ça putting commence Palestinian avec notre communities at gouvernement. risk. Again, I Et ça mentioned the met acts of à violence, risque but let's be les real. communautés In palestiniennes dont j'ai Toronto, we parlé, have d'actes seen de violence. police violence. When Il faut se protesters rendre go compte out qu'il and y a des protest and cas de commit, violence you know, policière what quand is, you les know, they're being manifestants, charged or they're being bon, charged with et mischief, bon, ils se font right? accuser Mischief. You know, putting up a poster, d'effets chanting from dans the des lieux river to the publics sea, really low ou bar things. The de Toronto scander police force des is choses employing the genre guns and gangs du fleuve type jusqu'à la mer. tactics, using the hate crimes unit and kicking down L'unité people's anti-crime doors at 4 a.m., défonce les portes des guns gens à 4 h drawn, du matin, des and arresting protesters in their bed in pistolets à front la of their main family, handcuffing pour them and driving them arrêter away. des Those protesters then experience manifestants loss of jobs, qui ont par so la they're either suite perdu suspended or leurs fired. emplois, We've heard of people losing suspendus their ou congédiés. apartments Il y a des gens because qui ont the perdu leur police have kicked down the appartement doors and the parce que landlord la isn't police happy a about that défoncé or la the porte roommates et don't feel le safe about. propriétaire You know, some people have become n'était pas homeless content et que as a leur result of it. There are real coloc life se sent impacts of how insécurité. this is playing out. Il y a des impacts réels sur la And vie it's coming des gens. from the Ministry of the Attorney Et ça General vient that du has a ministère du committee, procureur you know, général, that sort où of a il y a hate un crimes comité, une sorte committee de that comité is des going after crimes de these haine qui poursuit ces protesters. manifestants. The Toronto Police Force has Le this service designated hate de police crimes de unit that is Toronto, qui targeting a une unité protesters. pour les We crimes saw dits this de haine, story qui in cible les Ottawa of the manifestants. Nous savons Palestinian woman vu who à herself Ottawa was le cas de attacked. cette femme And the palestinienne Crown qui prosecutors elle-même a été threatened attaquée, les to procureurs charge de la her for couronne chanting ont from the river menacé de to the sea and l'inculper saying that pour she avoir was making chanté du a fleuve à la mer. genocidal, Il prétendait qu'elle faisait une she was inciting déclaration genocide, even though she was génocidaire, there to protest qu'elle the incitait genocide au of her génocide, own family and même friends si in elle était là Gaza pour as a protester contre Palestinian. le génocide pour sa Who propre has, famille, you des know, and it's amis à collectively, Gaza we en tant have que the Palestinienne. responsibility C'est to speak out collectivement against que nous genocide and push savons our la governments responsabilité de parler contre le génocide et de pousser to, you nos know, gouvernements prevent and stop a à genocide. And when they don't, it's prévenir our et responsibility to arrêter un speak out. And when we génocide. speak Et out, we si are being eux, ils ne le font criminalized. pas, il est And à this nous is de something parler. Et that's c'est en le dangerous. Then we faisant have government que nous sommes policies and criminalisés. Et c'est dangereux. statements that Enfin, label il y a des politiques, Palestinians and puis des those who déclarations du participate in gouvernement, des protests as Hamas déclarations qui supporters. qualifient les What Palestiniens happened et ceux qui then is participent aux manifs, employers aux run partisans du with those Hamas. Ce qui statements s'est use it as passé, a c'est ground que to les employeurs fire se their sont emparés employees. de ces And we déclarations have seen that. et s'en sont Employees servis being comme fired motif for pour wearing the licencier kufiya in the leurs workplace employés. or for Et on a attending vu ça, protests des for posting employés on social licenciés media pour and it avoir being porté reported le kefier to sur their le lieu de employers. travail ou pour We avoir have government participé à des policies manifestations, pour avoir coming out, like publié the des messages. defunding Tout of cela a été UNRWA, which signalé à is the l'employeur. most Les politiques vital humanitarian link gouvernementales for sont mises de l'avant, Palestinians. par exemple la This is done, suppression du you know, financement again, de la using the terrorist UNRWA, link qui est le without lien any humanitaire evidence. le plus vital pour les The Palestiniens. Gaza Cela s'est fait. immigration On process is another utilise les example liens des of terroristes pour en institutionalized en preuve. government Le processus anti-Palestinian d'immigration à racism. Gaza And est un autre we exemple de see racisme Canadians from Gaza anti-palestinien or their relatives gouvernemental who are, institutionnel. you know, Nous le voyons aussi, abandoned, des Canadiens de Gaza unable ou to des membres de travel leur and have to famille qui sont go through huge bureaucratic abandonnés, burdens incapables de because voyager they et are qui sont labeled soumis as à a d'énormes potentially, contraintes bureaucratiques a parce qu'ils sont terrorist. And so étiquetés we comme can't just let them in. And potentiellement des as a membres result, du they Hamas are dying ou before des they can get terroristes, their donc on leur paperwork ferme la processed. porte. Par The conséquent, examples are countless, ils but meurent, again, the avoir importance pu is obtenir des papiers. Les recognizing the exemples sont institute where, you know, where it's innombrables, mais coming encore from, une and it's fois, ce qui institutional compte est de and it's reconnaître d'où systemic. cela vient And et le fait que because c'est of that, it is institutionnel et having such a broad systématique. impact Voilà on pourquoi the son impact community at sur la large. communauté dans son ensemble est si considérable. Thanks, Dania. Merci, Tarek, I mean, Dania. Dania is speaking Tarek, about Dania systemic parle des efforts efforts in systématiques Canada déployés au Canada to silence, pour to diminish, réduire au to target silence, diminuer, Palestinians cibler and les their allies, Palestiniens et something I leurs think alliés. you're C'est que probably vous well connaissez familiar with from the probablement context bien d'un of the contexte occupied territories. des territoires What occupés. can individuals Que and peuvent organizations faire like les churches personnes et les who organisations telles are que les concerned about églises qui veulent
protéger human rights, les droits de l'homme et s'opposer à l'occupation. Que peut-on faire pour s'engager de manière critique dans la couverture et les récits publics sur les questions palestiniennes et nommer le racisme anti-palestinien pour ce qu'il est lorsqu'il s'est produit? Merci. C'est une excellente question. Pour commencer, il est très important que nous continuions à parfaire nos connaissances. Si tout ce que nous savons et toutes les informations dont nous disposons proviennent des grands médias, alors notre connaissance est nulle. Et je pense qu'il est important d'avoir un œil critique lorsque nous sommes en contact avec les récits, avec les médias sociaux, les médias de grand public. Il faut être attentif au fond implicite et explicite du récit, voir comment toute tentative de monolithiser un groupe très diversifié a probablement pour but le soutien des pratiques d'oppression, d'occupation colonisatrice israélienne qui se poursuivent. Et dans ce contexte, nous voyons cela revenir sans cesse lorsque nous parlons de cette guerre entre guillemets. Il y a souvent des manchettes qui parlent d'Israël et la guerre du Hamas. Nous entendons rarement parler d'Israël. Enfin, nous entendons parler de la guerre d'Israël et celle du Hamas soutenue par l'Iran. Nous entendons rarement parler d'Israël et du peuple palestinien. Et nous entendons rarement parler du peuple gazaoui. Et c'est principalement parce qu'ils ne sont pas autonomes. On ne permet pas aux gens d'être subjugués par les récits, par les messages, surtout quand on voit le niveau de destruction, le niveau de dévastation auquel le peuple de Gaza a été confronté. Et c'est justement ça, la terminologie que nous utilisons pour décrire ces groupes et ces personnes. Il y a du monde qui réfléchit des critiques à cet égard. Je ne peux pas vous dire ce que le terrorisme ni ce qu'est la terreur, et qu'il y a sans doute une quantité incalculable de définitions que nous utilisons. Mais je peux vous dire ce que je suis censé de faire et comment je suis censé réagir lorsqu'on j'entends ces termes. Et nous voyons souvent ces termes utilisés exclusivement pour les Palestiniens, les Arabes, les musulmans. Il faut donc être lorsque nous entendons cette terminologie, parce qu'elle tente d'affirmer un récit dans lequel un peuple a commis une atrocité sans aucune compréhension des griefs, sans aucune compréhension des injustices qu'ils ont subies, et il est utilisé à dessein, intentionnellement, pour arrêter la conversation, pour solliciter une réaction et pour solliciter ce que nous considérons comme complicité, pour nous permettre de continuer à être complice du génocide et de l'occupation du peuple palestinien. Je pense qu'il est également important d'être critique et conscient du racisme anti-palestinien. Nous considérons souvent cette guerre comme la première action ou activité qui a perturbé la période de paix, entre guillemets, qui vivaient les Palestiniens et les Israéliens, ou plus probablement les Arabes et les Israéliens, en refusant de reconnaître les violentes attaques à la roquette, les violentes incursions quotidiennes en Cisjordanie, les attaques à roquette à Gaza, l'embargo et le blocus qui ont été imposés à Gaza, les attaques dans les pays arabes voisins, la poursuite occupation de l'annexion des terres, la poursuite de l'occupation du plateau. Puisqu'on est en période électorale aux États-Unis, et là, le système et les gouvernements américains ont été assez constants, Israël-Palestine, c'est le seul point de convergence entre les partis démocrates et républicains. C'est pour cela que je me demande, dans ce cadre, dans les ressources que j'entends et que je regarde, où est la voix palestinienne? Est-ce qu'elle est à la périphérie? Au centre, est-ce qu'elle est partagée ou simplement interprétée, si tant est qu'elle existe? Il faut donc être capable d'examiner non seulement l'information telle qu'elle est présentée, le langage et le cadre qui l'entourent quand on le présente, mais aussi la personne qui le présente.
Et pour m'éloigner un peu du sujet, une des choses que je voulais dire et peut-être partager une réponse à ce que Dalia dit, quand Israël a été créé, il est important de comprendre que les systèmes d'apartheid, de racisme, de discrimination, ils se nourrissent les uns des autres. Ils sont interliés et souvent trouvent un moyen de s'entrelacer à l'intérieur de l'expression. Donc, avant la création d'Israël, nous avons le mandat britannique de Palestine qui a promulgué les lois d'urgence selon lesquelles un Palestinien ou un Arabe sous ce mandat britannique était considéré comme coupable avant d'avoir pu prouver son innocence. Cela a permis de retirer les libertés, y compris le placement d'Arabes, dans ce cas-ci de Palestiniens, en détention administrative. C'est une des lois et un des systèmes auxquels Israël a donné une nouvelle vie depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Dans le même ordre d'idées, le premier ministre israélien a écrit dans une lettre qu'il y a une population vivant en Palestine, un groupe de près de 100 à 200 000 personnes, et il a utilisé un terme péjoratif qui est souvent utilisé de manière péjorative contre les Noirs, le mot qui commence par N. Nous voyons donc ces types de racisme s'alimenter les uns les autres, comme lorsque ma famille a été mentionnée dans Haaretz, un des grands journaux israéliens, à cause de l'absence d'unification des familles. Mon père, qui est un peu plus foncé que moi, je passe pour être plus blanc, dans les commentaires, on disait qu'il faut renvoyer cet Africain en Afrique. D'autres ont utilisé le mot « haine » à l'égard de ma famille. On voit que ces racismes sont profondément ancrés dans les structures et doivent l'être. C'est la raison pour laquelle on voit le racisme et la discrimination persister au Canada. S'il n'y avait pas de racisme discriminatoire contre les communautés autochtones et les personnes de couleur au Canada, il serait beaucoup plus difficile qu'on continue à subir et qu'on permette le racisme anti-palestinien. Alors, je tenais simplement à insérer cette observation brièvement. Merci, Tarek. Cela fait froid dans le dos. Robert, you know, as was named Robert, at the beginning of our, comme il a été dit au panel, début de notre panel ce soir, nous nous parlons ici au moment où la violence et la souffrance continuent à une échelle vraiment horrible à Gaza. Certains diraient qu'il y a des gens de plus en plus conscients au Canada des différentes façons dont le racisme est dirigé contre les Palestiniens et vécu par eux. Même si les Palestiniens, comme Dania et Tariq ont dit, vivent avec cette expérience et cette connaissance depuis des décennies, avez-vous observé à Toronto ou au Canada une plus grande prise de conscience du racisme anti-palestinien? Pourriez-vous nous en dire un peu? Oui, bien sûr, absolument, on est plus conscient. Mais je voulais juste faire un commentaire sur ce que disait Dania. Et on ne peut nier les conséquences et l'impact du racisme anti-palestinien. Je pensais simplement essayer d'en distinguer la source. Et la source, à mon avis, n'est pas un préjugé racial organique. C'est une marginalisation et un dénigrement motivé politiquement. Et donc, comme tout le monde, y compris Dania et Tarek, j'ai été victime de ce genre de racisme. Il fallait simplement indiquer quelle en était la source. Et la source est, on pourrait dire, la primauté du récit sioniste au Canada. Et nous parlons du Canada, pas de la Palestine ici, au sens du racisme anti-palestinien au Canada. Alors, pour moi, c'est très important. Et ça me rassure un peu de savoir que le racisme dont je suis victime au Canada ne me vise pas personnellement, organiquement, comme conséquence d'un racisme ou de préjugés éthiques, mais à cause du récit sioniste qui a fait de moi l'ennemi dans les cercles institutionnels.
et utiliser ces outils institutionnels pour les faire passer dans la culture sociopolitique. Je pense qu'il est important de faire cette distinction. Maintenant, pour ce qui est de l'impact de la dernière année, en particulier la dernière année sur la hausse du racisme anti-palestinien, absolument, on le voit. Parce que l'État juif et ses divers relais sionistes en Occident sont passés à la vitesse supérieure pour couvrir les diverses activités par le génocide, le meurtre, l'assassinat, le ciblage des journalistes, des médecins et des enfants et des travailleurs d'aide humanitaire. Tout cela nécessite une couverture incroyablement accrue des attaques incroyablement intensifiées contre les Palestiniens et la suppression de leurs voix. Alors, quand cela se produit, on se rend compte des enjeux, des forces en présence et de la manière dont elles s'expriment. Et cela se traduit par une plus grande prise de conscience de ce racisme et de ses impacts. Et ça, c'est indéniable. Dania a fait un excellent travail en énumérant le nombre incalculable d'exemples. Alors, on pourrait dire que l'intensification du racisme ou des impacts est directement proportionnelle aux crimes qu'on est en train de commettre. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci. Let's see if there's some question, any questions that voyons si il y a des questions de la part des autres participants, le public s'est réuni avec nous ce soir. Le courriel, c'est anti-racisme@united-church.ca. Adèle, est-ce que vous avez reçu des questions qu'on pourrait poser maintenant? Yes, thank you for asking, Patty, and thank you everyone for the conversation so far. Oui, merci. There's one question that I will pose into the chat here. It's been explored a little bit. Il y a une question. On a déjà what abordé are the main obstacles to overcoming anti-Palestinian racism in Canada? Pour lutter contre le racisme anti-palestinien au Canada. Qui veut répondre en premier? Dania? Oui, je suppose que dans beaucoup de cas que cela dépend du contexte. Au niveau le plus simple, il y a le manque de reconnaissance du racisme anti-palestinien, le refus de reconnaître ce que vivent les Palestiniens. Les gens disent, ah, j'ai eu cette expérience, j'ai l'impression d'avoir été annulé, pour ainsi dire, c'est évident pour nous. Nous savons ce que c'était, ce que c'est plutôt le racisme anti-palestinien, mais les gens qui sont chargés de prendre ces décisions disent que non. Nous avons besoin donc au niveau institutionnel et nous l'avons appris d'autres communautés et dans la lutte contre d'autres formes de racisme dans nos institutions. Nous devons les amener à reconnaître le racisme anti-palestinien. Si vous regardez les résultats de sondage au Canada, la majorité des Canadiens soutiennent dans un certain degré des Palestiniens, selon la façon dont la question est posée. La majorité des Canadiens pensent que ce qui se passe en Palestine est injuste. Autrement dit, la majorité des Canadiens ont la possibilité de vivre le racisme anti-palestinien. Ce n'est pas quelque chose qui nous touche individuellement, mais bien collectivement. Et les impacts sur d'autres communautés aussi. Par exemple, j'ai été frappé par quelque chose, le maire d'une ville a affiché la photo de quelqu'un qui a causé de sérieuses perturbations à Brampton hier soir, un indicateur. Alors, on a affiché la photo et on l'a décrit tel quel. Et il était critiqué pour avoir incité de la violence, ce qui avait entraîné des protestations
Now, this exact same person has been coming to cette personne Palestinian events assiste à des événements parisiens depuis des décennies en les mettant des propos racistes et nous avons nous sommes plaints auprès des institutions et la mairie pour dire que cette personne est problématique. Il a été traîné devant les tribunaux, il s'est excusé de façon factice. Mais il n'a jamais été critiqué quand il s'est attaqué aux Palestiniens. Et maintenant, il le fait ailleurs. Si on avait réagi à cette personne, en reconnaissant le racisme qu'il avait manifesté pendant si longtemps, peut-être qu'il n'aurait pas, ce serait pas attaqué une autre communauté. Et le fait que les gens disent que non, c'est comme ça, on refuse de voir qu'il y a même des expériences du racisme anti-palestinien. En ne le reconnaissant pas, nous sommes laissés à nous-mêmes. Et la communauté dit nous ne sentons pas en sécurité et on ne s'attend pas à ce que nos institutions nous protègent. Les gens se méfient de la police. Même dans des situations où il y a une menace pour la sécurité, la communauté ne veut pas travailler avec les forces policières. Ils mettent en place leur propre service d'ordre parce qu'ils voient la police comme une menace. Et ils n'ont pas tort. Comme il y a eu du racisme anti-palestinien exprimé par la communauté médicale, il y a sur Twitter des médecins qui disent des choses extrêmement raciste contre les Palestiniens. Il y a des gens qui ont peur d'aller voir un médecin parce qu'ils n'ont plus confiance qu'un médecin qu'ils vont aller voir. Bon, ils ne les traiteraient pas adéquatement parce qu'ils sont palestiniens. Et ils cherchent d'autres médecins qui seraient bon, qui seraient moins portés à exprimer de la haine envers eux. Bon, les institutions doivent d'abord reconnaître le racisme anti-palestinien. C'est ça une source de vulnérabilité pour nos communautés. Maintenant que les communautés ont un cadre dans le rapport, elles ont fait un excellent travail pour résister et pour exiger que les institutions et le gouvernement reconnaissent le racisme anti-palestinien. Et nous avons vu un premier pas. La commission scolaire de Toronto reconnaît le racisme anti-palestinien. Ça ne veut pas dire qu'ils ont cessé de se comporter d'une manière qui met fin à l'expression de ce racisme anti-palestinien, mais au moins, il y a moyen de le contrer quand ça s'exprime au niveau de la commission scolaire. Et il faut continuer à pousser parce qu'il faut obtenir cette reconnaissance pour que les institutions agissent. Bon, je loue les communautés qui ont fait des efforts en vue de la reconnaissance et qui se montrent solidaires quand ça s'exprime. Robert, yeah, please go ahead. Oui, allez-y, si je peux ajouter quelque chose. In terms of obstacles, au niveau des obstacles, un des obstacles est bon, le fait que la société canadienne et les institutions canadiennes sont prêts, et cela depuis des décennies, sont prêts à mettre l'accent, privilégier le bien-être et les préoccupations de la communauté en particulier par rapport à la présence et à l'identité palestinienne, leurs aspirations, la participation des Palestiniens. Alors, si on parle de dépasser le racisme anti-palestinien, nous devons faire face en tant que société, en tant qu'individu, en tant qu'église, en tant que paroisse, en tant qu'hiérarchie. Nous devons nous rendre compte qu'il y a une longue histoire de donner la priorité aux préoccupations juives ou dépenses de la communauté palestinienne. C'est ça la cause. On peut parler ad vitam aeternam du racisme anti-palestinien, mais nous devons chercher la cause. Mes recherches m'amènent à
au fait qu'on privilégie la voix et les préoccupations juives au Canada. Si l'Église unie ou toute autre organisation confessionnelle ou des gens de foi, quelle que soit leur identité, ils doivent trouver le courage de dire à leurs amis juifs, écoutez, notre amitié, notre statut d'allié, notre conversation ne nous empêchera pas de soutenir les droits de base des Palestiniens au Canada. Et nous n'allons pas permettre à nos amis juifs, parce que j'ai entendu beaucoup de choses à l'Église unie, par exemple, on ne peut pas faire ça parce que ça va déranger nos amis juifs, ou ils vont se sentir mal à l'aise. On dit souvent, les groupes palestiniens ne peuvent pas s'exprimer parce que les étudiants juifs dans les écoles se sentent mal à l'aise. Pour moi, c'est une reconnaissance fondamentale du principal obstacle au changement et à une amélioration de la situation pour les Palestiniens au Canada. Oui, le refus de prendre au sérieux l'expérience palestinienne. Les voix communautaires qu'on fait taire, quels sont les autres obstacles pour vous, Derek? Merci. Je voulais simplement mentionner quelque chose qui est toujours important. Une des raisons pour lesquelles la version israélienne est tellement forte, c'est que nous continuons à lui permettre d'être indissocié par rapport au statut de juif, à la juiverie. Culturellement, éthiquement, etc., il y a une identité juive et tout comme une identité palestinienne. L'identité juive est cooptée par les intérêts israéliens et puise dans l'épouvantable antisémitisme du passé et la culpabilité qui en découle. Mais pour parler plus largement, le sionisme est très interlié dans les systèmes politiques, provoque une crise d'identité et de foi. Malheureusement, il y a un phénomène, le sionisme chrétien, qui est considéré comme une réalisation de la prophétie avec l'État d'Israël, une prophétie de Dieu, la volonté de Dieu, est réalisée par l'épuration ethnique menée par un État. C'est un problème. Ou bien on dit que ce n'est pas que la prophétie a été erronée, plutôt qu'on limite notre foi parce qu'on l'interprète comme on l'a interprété pour nous, et on nie qu'un génocide est en cours ou qu'une occupation est en cours ou qu'on pratique un colonialisme de peuplement. Et bon, on parle aussi de complicité. Souvent, quand je converse avec les gens sur l'investissement éthique, par exemple, la réponse, c'est que, eh bien, le système ne va pas changer. Mais ce qui va changer, c'est le profit, le bénéfice que je réalise, la source de notre capacité de continuer le travail. On l'a vu avec l'esclavage aux États-Unis. Le privilège qu'on a en tant que peuple privilégié est trop grand. C'est plus grand et ça parle plus fort que la marginalisation des opprimés. Alors, il faut regarder sa propre complicité à travers les entreprises chez qui on continue à acheter, chez qui on continue à investir, le marché boursier, mais aussi le complexe industriel-militaire et les complexes de prison qui sont très forts au Canada et aux États-Unis aussi. Et le Canada est très fortement complice à cet égard. Parler contre l'injustice
contre l'impression est ensuite présenté non pas comme une lutte pour la justice et pour la libération de tous, mais lutter contre son propre intérêt matériel. Alors, il faut voir sa propre complicité. Ce n'est pas une belle idée. Martin Luther King Jr. l'a dit, et bien d'autres l'ont dit, que une injustice quelque part est une menace pour la justice partout. Alors, la complicité économique en Palestine de la part de l'Israël, bah, si on est souvent complice de la marginalisation et de l'oppression de groupes au Canada et ailleurs dans le monde par le biais de l'économie mondiale. On parle de la Palestine alors qu'il y a un génocide qui est en cours au Gaza, mais qu'il y a un autre génocide au Congo, à la République démocratique du Congo, à cause de la technologie, à cause de l'exploitation des ressources minières dans le sud, des pays du sud. Alors, cette conversation nous oblige aussi à parler de notre propre complicité et à bâtir une communauté entre nous. Le dernier point que je voulais soulever est l'antisémitisme, parce que beaucoup de ce qu'on dit à ce propos est antisémite. Si on dit que les Juifs ne peuvent être en sécurité que dans un État juif, on le dit souvent aux États-Unis, on le dit aussi, il y a des représentants du gouvernement canadien. C'est très antisémite de croire que un État juif ne peut être qu'un État génocidaire et d'apartheid. Il faut plutôt dire, on s'est trompé. Parlons-en, soyons critiques et travaillons ensemble contre toutes les justices parce qu'on comprend qu'elles sont toutes interliées. Et comme on partage la même planète et ses ressources, quand la mer monte, tous les bateaux montent. Et là, on monte très haut et de façon très dangereuse. Because it was one that oui, was j'ai une autre question qui vient nous être envoyée et ça a été fait déjà au préambule. Alors, la première, c'est remerciement. Alors, Robert avait parlé de la SCAD pour la justice et la paix au Moyen-Orient, c'est le CGPOM, et on peut dire que presque tous les articles de médias contiennent un élément de racisme anti-palestinien. Et la Fédération canado-arabe a été aussi des grandes aides pour m'aider à envoyer mes réponses. Dania, est-ce qu'il y a un autre moyen de pouvoir travailler dans un travail de solidarité et de lutte contre le racisme anti-palestinien? Oui. Il y a le rapport, justement, on voulait qu'il soit disponible pour tous. Les étudiants peuvent s'en servir, le consulter. Il a été justement conçu comme un outil. Nous n'avions pas énormément de ressources pour le cibler au Canada, mais on voulait tout simplement avoir ces rapports pour donner une voix à toutes les personnes qui travaillent dans ce cadre de lutte contre le racisme anti-palestinien et qui puissent établir des politiques en la matière. Je peux vous donner quelques exemples où on a vu qu'il a été utilisé, notamment à l'intérieur des unions, des syndicats. Il y a des travailleurs, par exemple, à qui on a dit ce qu'ils ne peuvent pas faire en dehors de leurs heures de travail. Par exemple, les employés ne savent pas que ça existe. On a vu qu'il y a des syndicats qui ont
fait une conscientisation de la question de le racisme anti-palestinien et qui sont expliqués justement, ils ont essayé de refléter cette préoccupation qu'ils sont dans à l'intérieur des contrats collectifs de travail, par exemple dans les écoles aussi, lorsqu'on souhaite parler du besoin d'avoir des politiques. Des politiques au niveau des universités, ça a été, il y a eu des étudiants qui ont mené des activités justement pour avoir une sensibilisation à la question. Aux États-Unis, on a utilisé ce rapport comme une base de leurs activités. Donc, on peut dire que c'est un bon outil pour ça. Au niveau des arts, on a vu, par exemple, avec l'annulation des films sur scène, on a vu aussi qu'il y a des personnes, des curateurs, de musées qui ont été licenciés parce qu'ils se sont montrés sympathiques, ils ont été congédiés pour ces raisons-là. Alors avec d'autres formes de racisme. Ce travail s'est fait en solidarité, en conjonction avec qui travaille avec d'autres formes de racisme. Il y a beaucoup de questions qui se relationnent avec d'autres formes d'antiracisme. Donc, c'est un bon outil pour même pour les avocats qui travaillent avec des gens qui défendent des personnes dans les sphères du travail, dans les sphères académiques ou sociales. Alors, ça a été très important aussi. On est intervenu dans un cas pour montrer qu'il y avait l'antiracisme en Kennett. On a démontré que qu'être était antisémitique. Ils ont blâmé les étudiants qui, pour toutes sortes de choses qui avaient rapport avec la Palestine. Et là où c'était aussi très important, c'est que le juge a reconnu que le racisme palestinien était la cause et a exonéré les étudiants, même si on n'a pas aimé trop ce que le juge a fait tout le long, mais on était la même chose, le TMU, il y a eu une lettre ouverte à cause de laquelle ils ont été accusé, il y a eu une réaction contre les étudiants et nous étions là pour leur donner de l'appui, pour leur donner de l'information, les appuyer justement pour démontrer que ce que les étudiants expérimentaient c'était cette amplification de racisme anti-palestinien qui est très difficile à vivre. Alors, dépendamment du contexte, ce rapport est un outil, et surtout un outil d'éducation, mais un outil de défense. Il peut être utilisé selon le besoin et selon les contextes où il y a des situations de racisme anti-palestinien. Bien, ce webinaire de ce soir était justement d'aborder la question du racisme anti-palestinien. Et comment ça se vit au Canada et en Palestine. Et non seulement pour en parler, mais aussi pour le résister
et ça nous posait. Prenons les quelques minutes qui restent de reconnaître le souhait de résister et s'opposer à ce racisme. Vous avez parlé du rapport de l'ACLA. Alors, si, et tout ce que j'ai à vous dire, ajouter, si vous n'avez pas encore lu ces rapports, allez-y, consultez-les. Et voyez comment vous pouvez vous en servir au besoin. Et j'aimerais aussi revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Robert, plusieurs des personnes qui se réunissent avec nous, ce sont des gens de foi. Alors, vous avez parlé des droits des Palestiniens. Et vous avez abordé la question de continuer la violence en Palestine. Est-ce que vous pouvez dire quels seraient deux aspects dont ce rapport peut vous donner un outil pour faire face? Oui, je dirais que dans les groupes confessionnels, il ne faut pas privilégier la voix biblique, comme quoi l'Israël, c'est le peuple de Dieu, mais plutôt de dire que tout le monde a le droit à avoir le même degré de droits. Il y a aussi deux programmes dont on a parlé. C'est le projet de responsabilisation universitaire. C'est vraiment une situation qui a donné des résultats très importants. C'est un mouvement auquel vous pouvez donner, contribuer, que ce soit de façon économique, que ce soit avec votre travail aussi, la fondation CGPOM, cette fondation, ils sont un programme pour lutter contre l'antiracisme, pour lutter contre le racisme anti-palestinien. Et aussi anti-arabe et anti-musulman. Ce sont des programmes qui sont très importants et les gens qui souhaitent, ils peuvent y participer de façon très active. Alors, ce groupe, c'est le groupe canadien pour la justice et la paix en Moyen-Orient. Intérêt, deux choses concrètes. Vous avez parlé de deux choses. J'aimerais savoir comment équiper les gens, leur aider à comprendre où se loge l'antiracisme, l'antipalestinien. Oui, il y a deux endroits. Par exemple, lorsqu'on entend parler d'oppression, de destruction, de n'importe quelle façon dont c'est présenté, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour... Et il faut juste se poser la question, qu'est-ce que les gens ont fait pour être... pour subir ces traitements. Personne ne doit subir ni l'occupation, ni l'injustice qu'ils subissent, les Palestiniens. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on fait maintenant, s'engager dans des manifestations, que ce soit à travers l'éducation ou le processus de manifestation, pour lutter contre le racisme anti-palestinien. On ne peut pas, il faut dire qu'on ne peut pas accepter d'avoir une situation comme ça dans notre société. Et là-dessus, je souhaiterais remercier le travail de tous, le travail d'Adèle qui nous donnait la possibilité d'être là. Et alors, Tarek, merci, vous m'enlevez les mots de la bouche. Je sais que Adèle souhaiterait dire de mes remerciements. Et moi, j'aimerais aussi dire un grand remerciement à Tania, Robert et Tarek
pour leur souhait d'avoir été ici, pour leur passion, leur défense et pour tout ce que vous représentez. Adèle, je vous donne la parole. Oui, un mot de remerciement à Robert, Tarek, Daniel. Merci pour vos paroles, pour vos actions très concrètes et votre présence. Et merci, Patty, pour votre intervention et la façon dont vous savez mener. Alors, je vais mettre ici sur le chat des liens pour qui vont vous mener à des sondages. Vous pouvez peut-être remplir ces sondages. Ce serait très, on vous serait très reconnaissant. Alors que ce soit pour ces activités qu'on a eues ce soir ou pour celles à venir dans le cadre des 40 jours d'engagement sur l'antiracisme. Alors, il me reste à vous remercier de votre présence et de votre intérêt. Merci beaucoup.